C'est moi qui ai fait les plans cette maison est en piteux état, je dois la réparer, ou je risque de ne jamais profiter d'une belle nuit de sommeil. Ah oui, il fait ça, lui. Ok. Réparer le trou. Trois morceaux de bois sont nécessaires pour réparer la fente. Ok. Et là, il faut 20 morceaux de bois. Eh bien. Alors, vie 0 sur 100, fortitude, attaque, défense. Tu peux gagner des bonus. Ok, je comprenais pas trop. Alors, arrêter de récolter les cultures, arrêter, arrêter, ok. Par contre, la caméra elle va encore un chouïa un peu vite. On va passer à 30. Non, là. Parce qu'il n'y a pas de voix en français, donc on va laisser comme ça pour la minimap, on verra plus tard. Et sinon, niveau graphique, je crois que je suis à fond. Je suis en 4K, j'ai mis sur 60 images par seconde, je ne sais rien faire du 120. Texture pleine résolution. Fantastique, fantastique. Là, j'en ai pas fait gaffe, il y a encore autre chose. Ah, ben il n'y a pas plus haut. Ok. J'en profite, hein, c'est sur Shadow. Ça, mon PC, il n'a pas besoin de mouliner et il utilise toute sa puissance, on va dire, pour le stream. Donc, je peux sauter avec espace. Ok. Course auto, donc en laissant appuyer. Poste d'assemblage. Ok. Bon, il y a beaucoup de choses à lire. Bon, je pense qu'on verra plus tard. Donc, tout ça, je l'avais pas fait. Hein. Source, arbre, outils et compagnie. Bois dur, arbre. Alors, pour fabriquer une hache, apparemment, il faut 5 bois. Ok. Bon, donc, y a un coffre. Il y a même du courrier. Ici le port. Cher nouvel abonné, ici le Porta Times. Nous sommes sponsorisés par le gouvernement et l'agence locale de la Guilde du Commerce pour vous offrir gratuitement les dernières actualités de la ville. Notre publication est mensuelle et chaque numéro est envoyé le premier de chaque mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rendre visite dans nos bureaux situés dans la rue principale. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Des gants usés. Ok. Alors, faudrait déjà que je puisse mémoriser. Donc, j'ai vu qu'il y avait un bistrot et que là, il y a. Ok, donc ça, c'est pour faire une roulade. Ok, donc ma maison est là. Il y a un truc ici, là. J'avais pas remarqué. Alors, je me souviens dans dans le pré-test que j'avais fait, c'est qu'on pouvait taper les arbres.
Fruits de caoutchouc. Non, c'est pas comme ça que j'aurais du bois alors. Dans la vraie vie, faites pas de ça, faites pas ça les gens. Je parle aux plus jeunes. Respectez la nature. Alors, j'ai trois bois apparemment. C'est déjà bien. On a des grosses coccinelles. Là, on a quelqu'un qui n'a pas. Voilà. S'est occupé de son chien. Je déconne. J'ai vu qu'il y avait un enclos à la barre. Je sais pas trop ce que c'était. On peut donc t'aider la main. On peut avoir des fruits là, si on... J'ai rien vu tomber. Si j'ai vu les trucs tomber ici. Monsieur Coccinelle, level 7. Okay. Ça fait vraiment type MMO RPG, c'est vraiment. Ok, donc on va rentrer en ville. C'est vraiment très joli, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a un truc ici, apparemment. Ouais, je gagne de l'expérience, des herbes et une chenille. Ouais. Alors, donc là, il y a un barbier. Simplement le meilleur, ok. Donc là, c'est des outils. Le meilleur frère, best brother. Bread, donc c'est une boulangerie. On a Cavaliero. Cavaliera, je sais pas comment on dit. Alors, la guilde du commerce, est-ce que ce serait... Non, moi je suis le machin rouge sur la map, donc est-ce que ce serait par là? Isaac Newton. Alors, ce qui est dommage, c'est que quand on tourne comme ça, voilà, ok. Ça fait pas en même temps sur la map. Megavolt, c'est un plaisir de te revoir. Comment se passe ton installation? Bien. Bonbon. Permets-moi de te présenter la guilde du commerce. Notre organisation s'occupe du commerce dans toute la région des cités libres et nous sommes actuellement dans l'agence de Portia. Nous sommes très occupés tout au long de l'année.
100 points d'XP, tout ça. Bien, je vais t'expliquer l'examen de construction. Ce sera très simple. Fabrique une hache ou une pioche et apporte-les-moi. Tu auras besoin de bois et de pierre pour les fabriquer. Tu peux les récupérer dans la nature ou en acheter chez Outils et Compagnie, dans le square central. Bon, ça faut avoir des sous. Une fois que tu auras obtenu les matériaux bruts, tu vas devoir fabriquer les objets sur un établi. J'ai aperçu celui de ton père dans le jardin. Tu devras vérifier s'il fonctionne toujours. Ok. Alors, je sais plus combien il nous fallait de bois. C'est quoi tout ça? J'ai besoin de 4 barres de bronze. Aidez-moi à traiter cette commande. Ok. Ah, c'est chouette ça. Bah, refuser, de toute façon, j'ai rien du tout. Échange de cadeaux. Ok. Ouais, c'est dommage qu'il faut vraiment utiliser la souris pour la caméra. Oh, je me demande si j'utilise une manette, ce serait peut-être mieux. J'essaye la prochaine fois. Il a parlé d'une hache ou d'une pioche. Donc il faut 5 bois et 8 pierres. Ok, et ben on va chercher les amis. Ça fait un peu comme Zelda Breath of the Wild avec la jauge de stamina, d'endurance en français. Ah, y a un truc qui est tombé ici. La cire, ok. On dirait que la lumière a changé. Il faut faire une hache et une pioche. Ok. Bonjour le lapin magicien. Deux magiciens. Ah, bah, je suis passé level 2. Tout en foutant des coups de tatane à des arbres. Ma foi, un why not? Apparemment, je gagne 40 XP par coup de tatane. Je vais voir si ça se couche. Ouais, le soleil se couche. Ok. Est-ce que c'est comme dans Minecraft? Est-ce qu'il y a des vilains monstres qui arrivent la nuit? On va se dépêcher de rentrer quand même. En tout cas, graphiquement, je trouve ça vraiment très sympa.
Est-ce qu'il y a moyen de traverser le champ? De toute façon, ma maison est en face. Ah, il me faut aussi du bois pour réparer ma maison. En plus, là, les pierres, j'en trouve pas mal là. Donc, c'est cool. Salut Sam. Essaye de rester assez près de la maison au cas où. Voilà, là j'ai du bois, ok. C'est ce soldat dont je vous parlais. Il faut de la laitue et du cumin. Et apparemment, je sais pas si ça permet ou si... Voilà. Ensuite, après, il faut aussi fabriquer la cage. En fait, je viens de voir qu'en bas, j'ai ma barre de vie, ma part de mana, on va dire. Ouais, je regarde si en appuyant sur échappe, il y aura un autre menu. Donc j'ai de quoi fabriquer une pioche et une hache. Alors, très pratique pour couper les buissons et arbustes. Attaque plus 50. Maintiens la touche d'attaque pour attaquer en continu. Ça se vend 8. Ok. Bon, une seule suffira. Ok. Et la pioche. Pardon. Pioche légère qui peut seulement casser des pierres de petite taille. Voilà. Donc j'irai voir le truc mouche demain. Alors là, c'était combien qu'il fallait? 3 morceaux de bois. Ah, forcément, j'en ai plus. Là, qu'il fait jour, c'est bizarre. Maintenir paramètres enfoncés. Ok.